Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. Ce soir, nous vous proposons une immersion inédite au cœur de la prostitution à Abidjan. Dans le quotidien de ces travailleuses et de ces travailleurs du sexe, nous allons tenter de comprendre pourquoi ces femmes et ces hommes qui ont fait des relations tarifées, une activité au quotidien et une activité comme une autre. Prostitution à l'hôtel, dans les bars, sur la toile, dans la rue et dans les ghettos, l'aspect économique est très souvent le moteur de ce marché. Alors, qui sont ces femmes et ces hommes qui ont basculé dans la prostitution? Quels risques prennent-ils au quotidien? Comment peuvent-ils s'en sortir? Et quelles sont les structures qui travaillent à leur côté? Cette émission comprend ou contient des propos ou des images qui pourraient choquer des moins de 12 ans. 52 minutes pour comprendre le phénomène de la prostitution à Abidjan, un reportage inédit réalisé par les équipes de ce prod. La prostitution en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, est protéiforme. Prostitution dans les hôtels, les bars, sur la toile, dans la rue ou dans les ghettos, l'aspect économique est souvent le moteur de ce marché. Enquête dans les bas-fonds de ce business pour tenter de comprendre le quotidien de ces femmes ou de ces hommes qui ont fait de leur relation tarifée une activité comme une autre. Ghetto d'Anoumabo, dans le sud d'Abidjan. Il faut toujours étudier avec ton client. Parce que la personne vient sans capote, beaucoup d'argent, tu ne sais pas quel problème il a. Il peut être infecté, il peut avoir le sida, toi tu ne connais pas. Travail qu'on est dedans, là, c'est pour pouvoir s'en sortir, c'est marié. Mais et si toi tu es malade, tu as eu l'argent, là, tu as eu l'argent et puis tu es malade, est-ce que l'argent va te servir à quoi? Ça va tout va gâter, ça va aller dans les médicaments. Donc prends les préservatifs avec tous les clients. Lui qui va venir dire sans capote là, il faut lui dire c'est bon, c'est pas la peine. Awa travaille pour une ONG depuis plus de 10 ans. Deux fois par mois, elle arpente les ruelles de différents ghettos de la capitale. Objectif, sensibiliser les travailleuses du sexe aux maladies sexuellement transmissibles. Distribution de préservatifs, conseils, écoute, Awa incite également les filles au dépistage. Pour le moment, c'est le peu est-ce que dans notre main, on vient en dépistage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut qu'on connaisse les résultats. Quand on vient faire la sensibilisation, tout le monde ne veut pas qu'on connaisse les résultats. Donc l'auto-test est bienvenu. Voilà, ça, ça cause ça, c'est deux dans ma main. Quand je viens, je la donne un n'a qu'à donner un à son coup, un partenaire, pour pouvoir faire. Donc c'est ça, vous avez vu déjà l'auto-test là dans ma main. Dans ce ghetto, une centaine de filles âgées entre 18 et 60 ans se prostituent sur place dans ces abris de fortune de 4 mètres carrés, sans sanitaire, sans fenêtre. Chacune d'entre elles aurait entre 5 et 10 clients par jour. Dépasse à 1 000 francs CFA en majorité, mais qui peuvent monter jusqu'à 10 000 francs CFA si la fille accepte les relations sans préservatif. Alors, les maladies font partie du quotidien. Il y a quoi en bas de toi? Ça te gratte, ou bien c'est les boutons, c'est l'eau qui coule, c'est les boutons. Mais c'est fini de ça y est toujours là. Ça y est là. Donc, on va partir à la clinique. Tu as compris? Parce que si on ne va pas soigner, ce n'est pas bon. Si on laisse, on ne sait pas c'est quel genre de bouton. Voilà. Elle dit qu'elle n'a pas de coulement, que c'est les boutons qui sont là. Donc, ça te gratte. Tu avais quel âge quand tu as commencé? Alors, quoi tes premiers rapports? Ah, mes premiers rapports. Il y avait 16 ans comme ça. Et puis tu fais ce métier depuis combien d'années? Il y a longtemps. Ça fait combien? 10 ans, 15 ans, combien? C'est moi qui les ai aidés. En ce moment, tu as quel âge? 10 ans et 12. Moi, nous voulons ça. 27 ans. Comment tu es venu à ce métier-là en direction de l'Église? Comment ça a commencé? J'étais petite, je suis quitté au Mali. Ma tante est partie nous prendre au Mali. Et puis on est venu, on travaillait avec elle, on vendait pour elle. Elle m'a traité. Donc je sais qu'elle m'avait sorti. Vous vendez quoi du moins? On vend les particuliers, les petites filles. Nous on se promène, il y a d'autres aussi, ça se. On était au moins 8 personnes dans ce moment. Je suis quittée au Mali en 2004.
J'ai commencé à connaître la rue en 2007. J'étais petite, j'étais à Djamé. Il y avait un centre là-bas aussi. Donc c'est lui qui nous a pris. On était là-bas. Ils nous donnaient à manger. On était avec eux. Et quand on a commencé à grandir un peu, on est venu à Makouri. À Makouri. C'est là où vous m'avez encouragé. Mais... Voilà. Tu étais dans le centre, on s'occupait bien de toi, mais pourquoi tu as commencé à te vendre? Puisque tu avais... J'étais les camarades. Les camarades qui ont croisé. C'est ça qui m'a mis dans ça. Cette jeune femme accepte de suivre Awa pour se faire soigner. Les filles des bidonvilles ont confiance en elle. Il faut dire qu'Awa a fréquenté les trottoirs d'Abidjan durant 8 ans. Ancienne prostituée, elle parle le même langage que toutes ces femmes. Elle connaît leurs peurs, leurs peines et leurs rêves. Moi, j'ai commencé à me chercher parce que moi, mon mari est décédé. Mon mari est décédé, il m'a laissé avec mes enfants. Donc, quand mon mari est décédé, il m'a laissé avec mes enfants. Mes beaux-parents, ils m'ont chassé. Il n'y avait pas quelqu'un. Moi aussi, là, mon frère ne vit pas. Ma maman ne vit pas. Donc, c'est une camarade qui m'a mis dans ce travail pour dire que, ah, tiens, on va sortir. Donc, voilà comment moi aussi, je suis rentré dans la prostitution. Il est arrivé un moment, avec mon âge là, j'ai vu que je ne pouvais plus supporter. Et puis, ça a arrêté. Aujourd'hui, j'ai 3 garçons. Je suis grand-mère. Je me suis occupé de mes enfants. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends tous ces petits démons-là? Ça me donne conseil. Tu comptes arrêter ou bien continuer et puis te préserver? Je compte arrêter, je vais arrêter. Mais me préserve quand même. Voilà, ma fille, ce que j'ai à te dire, faut toujours travailler qu'on fait là, c'est vrai. C'est dans ça qu'on perd nos pains. C'est dans ça qu'on perd notre manger. C'est dans ça qu'on prend pour payer notre maison. C'est-à-dire, l'argent là même là, c'est ça qu'on prend pour vivre. Notre travail là, c'est un métier pour nous. Comme les gens vont dans les bureaux, ils se lèvent matin là, ils s'en vont au bureau. Donc notre travail là, c'est comme nous aussi, c'est un travail de bureau. Mais ce travail que tu fais là, il faut que toi-même là, tu prends soin de toi. Parce que avant de sortir, ce travail qu'on est dedans, tu vois, un jour, on doit arrêter. Se marier, avoir les enfants, avoir une famille, ou bien s'asseoir. Donc la solution pour toi, c'est quoi? Déboucher ma vie. Pour soigner les filles, l'ONG pour laquelle travaille Awa dispose de 4 centres de soins à Abidjan. Mireille Capé est infirmière. Elle va s'entretenir avec la jeune fille pour pouvoir cerner ses problématiques. Je suis mariée, c'est célibataire. Mais tu viens, ton chéri à la maison. Oui. Tu viens à la maison. Non, c'est pas. Tu viens à la maison. Mais tu es avec lui. Vous ne dormez pas ensemble dans la même maison. Il a donné pour là. Non. Il a donné pour là. Non. C'est célibataire d'abord. Toutes ces questions de pourquoi? On pose ces questions pour essayer de voir un peu quel genre de personnes auxquelles on a affaire. Un truc comme ça. Parce que c'est un formulaire. Il faudrait que. On sache au moins quel genre de personnes elles sont justes. En fonction de ça, on voit comment entamer la causerie avec ces filles-là. Ça fait combien de temps que tu gères Bizi? 7 ans. Combien de temps? 7 ans. 7 ans. Tu utilises le préservatif à tout moment? Oui. Toujours? Oui. Et quand il vient, il dit non, lui il n'a pas de préservatif, mais il a 50 000. Non. Non, tu ne penses pas. Non. D'accord. Et je vais rentrer là, c'est un peu confidentiel. Donc vous allez devoir nous laisser. Le reste de l'entretien se fera hors caméra. La clinique de confiance accueille essentiellement des prostituées et des malades du sida. C'est le docteur Fofana qui dirige cette clinique depuis 2015. Bonjour, bonjour, bonjour. Le numéro suivant, voilà. Venez, madame. Voilà. Pardon, allons rapidement. Si cette femme est si pressée, c'est qu'elle peut enchaîner jusqu'à 50 patients par jour. Ici, il y a beaucoup de services que nous offrons ici. Parmi ces services, on fait le dépistage du VIH. On va faire le dépistage aussi des infections sexuellement transmissibles.
Vous savez que sur le terrain, vous avez beaucoup de clients. Et on doit voir si vous n'avez pas d'infection, tout ça là. Si on fait l'examen, on fait le prélèvement, on analyse qu'il y a une infection, on va vous donner des médicaments. Tout est gratuit. Comment vous avez connu ici? C'est une dame qui s'appelle Ami. C'est elle qui allait dans le ghetto, oui, qui m'a sensibilisée. C'est partant de là, je suis venue ici. D'accord. Et ça fait longtemps que tu te cherches? Ça fait 10 ans. D'accord. Mais tu n'avais pas entendu parler de la clinique de confiance? Non. Ah, toi aussi, tu as duré, hein? Alors que nous sommes réputés, hein? D'accord. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Ne t'inquiète pas, tu auras tous les services qu'il faut. Merci, madame. Okay. Pourquoi vous êtes rentrée dans le métier et tout ça? Je suis rentrée dans le métier parce que j'ai trop de problèmes. Trop. J'ai des enfants en charge. Les enfants ont perdu leur papa, il n'y a personne. Donc moi seul, je ne peux pas les... je n'ai pas d'activité. Donc un jour, j'ai croisé une camarade qui est dans le milieu. Je l'ai suivie partant de là. Je suis rentrée dedans. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous en sortez? Oui, je m'en sors très bien. On vous dit très bien, ça veut dire vous gagnez combien par jour? Par jour, en tout cas, avant la crise là, tu peux avoir 50 000, 30 000. Maintenant là, c'est devenu un peu dur. C'est comme un marché. C'est devenu très dur maintenant. Docteur Fofana, combien de personnes vous recevez? Nous recevons en moyenne 30 personnes, 30 travailleurs de sexe. Non, 30 bénéficiaires. Parmi ces bénéficiaires, il y a les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Il y a les travailleuses du sexe qui viennent. Il y a les transgenres, il y a les lesbiennes. Donc, la moyenne, c'est 30 personnes. Mais il y a des jours où vraiment il y a une très grande influence. On peut aller jusqu'à plus de 50 personnes. Je vais prendre ta tension pour voir. Donne-moi ton bras gauche. Que diagnostiquez-vous le plus souvent? Au niveau de ces patients, on a, par rapport à leur activité, on a souvent des écoulements. Des écoulements au niveau du sexe, les écoulements sont souvent fétides. On a des plaies au niveau du sexe. On a des boutons que nous prenons en charge. Depuis sa création en 2004, la clinique de confiance enregistre plus de 18 000 travailleurs du sexe, dont 17 600 femmes et 695 hommes. Parmi eux, 233 sont séropositifs et sous traitement. Bon, madame, les résultats sont arrivés. On a dit que vous avez une infection. Ce n'est pas grave. On va vous donner des médicaments. Quand tu vas prendre ces médicaments-là, il faut arrêter l'alcool pendant un moment pour que les médicaments aient une bonne efficacité. Pour cette patiente, le mal diagnostiqué, c'est légion avec ses autres collègues. Sur 10 tests, il y a 9 qui présentent une infection sexuellement transmissible. Donc, il fallait s'attendre à ça. Parce qu'elle ne prend pas les mesures d'hygiène, elle est exposée. Et il y a des fois aussi, les préservatifs sont cassés. C'est pour cela qu'elle était inquiète. Elle a pris des risques. Quand le préservatif s'est cassé lors de vos ébats sexuels, est-ce que vous avez eu peur? Très peur. J'ai eu peur. Sincèrement peur. Parce que j'avais entendu déjà parler du VIH, mais je ne croyais pas. En tout cas, c'est quand je suis arrivée ici que j'ai vu les malades. Donc maintenant, je crois en ça. Tu vas aller prendre les médicaments. On va te donner les médicaments. Et tu vas à la pharmacie pour prendre ces médicaments. La majorité des prostituées sont arrivées dans le milieu grâce à une connaissance, faute de formation et faute de moyens. Abidjan, 23h, quartier Marc-Henri-Biétry. Dans les rues, les filles de joie se promènent en quête d'un client. Brigitte et Julie, agents communautaires de l'ONG Espace Confiance, rencontre une jeune fille qui se prostitue ce soir pour la première fois. Impossible pour nous d'approcher les filles sur le trottoir et de les interviewer. Nous tournons donc en caméra cachée. Pas de difficulté ici, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes
C'est pas qu'il se passe. C'est le policier là. Ah, c'est pas la première fois que vous êtes venu. Ah, mais ne restez pas comme ça, soin. Bougez un peu. Oui, je suis une femme. T'as tout ça et honte pour montrer mon visage. Pas ma famille. C'est caché, non. C'est pas ça. Non, mais ici là, c'est caché. Mais le vécu passe. Mmh. Mais tu peux faire non affiché. J'entre chez toi par personne. Je n'ai jamais fait ça. Donc aujourd'hui, nuit là, tu dis j'arrête. Il ne peut plus faire ça. D'accord. Donc c'est Dieu qui a fait qu'on est venu vers toi. Tu as fait ton test, c'est propre là. Tu t'en dis, tu te cases. Une autre jeune fille arrive, nouvelle également sur le trottoir. Elle en profite pour s'entretenir avec Brigitte et Julie. Donc, comme vous êtes nouvelle, si vous voulez vous faire dépister aussi, on a nos... Tu as test là, ici. Oui, on a nos tests, tout. C'est pourquoi on est venu. Donc, comme vous dites que c'est la première fois, ça là, ça là, tu fais passer ça. Si tu es gentil ici, tu fais passer, tu fais tout le tour de ta bouche avec. J'espère que c'est moi qui utilise. C'est pas devant toi, il est ouvert. Fais bien. L'objectif de ces sensibilisations est de lutter certes contre le VIH, mais également de faire le suivi de ces jeunes filles. Entre les maladies, les agressions, la drogue, la prostitution est un milieu dangereux. Mais nous n'avons pu continuer à tourner, car notre caméra a été repérée par deux jeunes qui prétendent protéger les filles. Allez-y, filmez. Ils sont descendus. Non, c'est Nadré. Nous, on n'est pas descendu dans la voiture. C'est moi qui te parle. On n'est pas descendu dans la voiture. On a l'habitude de venir ici. On n'est pas descendu. Voilà la voiture qui descend là-bas. La voiture. On va venir les chercher ici encore. Brigitte et Julie doivent quitter les lieux. Elles se rendent donc dans une autre rue du quartier. Ici, encore plus de filles. Des jeunes majoritairement dans la vingtaine. Nous sommes toujours en caméra cachée. Toi, c'est à quel âge tu as commencé à venir dans la rue? Moi, ici, là, ça fait pas un an. Ça fait pas un an, mais actuellement, tu as quel âge toi? Moi, j'ai 23 ans. Tu as 23 ans, donc ça veut dire que c'est à 22 ans que tu es venu. Non. Ça fait pas un an, non? Non, ça fait pas un an ici dans l'île. Donc, c'est à 23 ans que tu es venu. Mais quand tu viens ici souvent, tu peux avoir combien de clients comme ça? 3 clients. Mais depuis que tu as commencé à gérer, là, quelles difficultés tu as eues? Ils t'ont... Quelqu'un t'a une fois géré, tu es parti gérer avec lui, il t'a frappé, il t'a non, pas donné l'argent. Il m'a pas frappé, mais c'est moi qui t'a pas donné l'argent. La... Il t'a pas donné l'argent, il t'a volé. À part ça, vous n'avez pas d'autres difficultés. Les jeunes qui passent, ils ne vous frappent pas, non. Rien. Okay. Au contraire, c'est les jeunes d'ici qui nous suivent. C'est les policiers qui nous fatiguent. Ah, c'est les policiers là. Quand ils nous attendent par là, au moins 15 minutes, c'est quand on va vous donner les En Côte d'Ivoire, la prostitution n'est pas un délit. Seul le proxénétisme et le racolage actif sont condamnables. Si ces jeunes filles sont attrapées alors qu'elles abordent des clients, elles pourraient être condamnées et écopées d'une peine allant jusqu'à 3 mois de prison et d'une amende comprise entre 50 000 et 500 000 francs CFA. Nous sommes à Cocody-Angré, au Dropping Center, un des centres de l'ONG Espace Confiance. C'est ici que toutes les informations collectées par les agents communautaires sur le terrain sont acheminées et traitées. Vous avez eu de bons résultats dans la semaine? C'est moyen. 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 D'accord. Présente-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, ils sont en train de faire remplir les données, mettre la base de données à jour. Ils sont allés travailler sur les terrains. Ils ont récolté un certain nombre d'informations. Et donc chaque semaine, ils viennent, ils ont des tablettes à partir desquelles donc, ils vont rentrer toutes les activités qu'ils ont eu à réaliser en temps réel. Et voilà, cette base aussi sera transmise aux partenaires qui auront aussi en temps réel tous les éléments que nous faisons sur le terrain. Tout ce que nous faisons s'inscrit dans les plans stratégiques et les plans d'action du programme national de lutte contre le sida et la population pour laquelle nous on travaille. Donc nos bénéficiaires sont des travailleuses du sexe, aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et avec aussi pour les transgenres femmes. 30% des cas enregistrés ici sont des travailleurs du sexe. Grâce à ces données, les prostituées enregistrées peuvent bénéficier d'une assistance médicale et psychologique.
Julien a 24 ans. Il travaille dans ce centre depuis 2 ans. La dernière fois, je suis parti déposer le prélèvement. Voilà, je profite en même temps pour donner le médicament du jeune qui avait un problème de zonal. D'accord, mais est-ce que tu as pu mettre la lampe, par exemple, sur son portable pour qu'il respecte les heures de prise aussi? C'est très important pour lui. Oui. Concernant la lampe, là, il a décidé de prendre ses comprimés à partir de 21h30 par la lampe. Toi-même, tu as mis la lampe? Oui. Bon, j'ai vérifié, sinon je n'ai pas mis, j'ai vérifié. Il avait déjà mis 29 points, puisque j'en avais déjà parlé avec lui. D'accord, donc tu vas donner son prochain rendez-vous. Parce qu'à partir de lui, on va dépister ses sujets contacts, mais ça avec sa collaboration. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est notre causerie de tous les jours. En fait, c'est ce qu'on fait quand on va à une visite à domicile. Je viens, je lui fais le compte rendu. Et puis, ça arrive maintenant de me donner les instructions à faire juste après ça. Julien connaît bien le milieu de la prostitution, car lui-même se prostitue depuis 3 ans. Il est homosexuel et se fait payer pour avoir des rapports sexuels. Vous êtes prostituée homosexuelle. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de personnes qui me draguaient et ces personnes-là me proposaient de l'argent. Ça, c'était dans les débuts. Et après, j'ai vu que c'était pour moi une bonne opportunité. Voilà, pourquoi ne pas me servir de ça pour atteindre mes objectifs? Peut-être que c'est une mauvaise pratique. Oui, c'est une mauvaise pratique, je l'avoue, mais quand même, ça me permet de pouvoir réaliser certaines choses que peut-être beaucoup ne n'arrivent pas à faire. Une nuit avec vous, ça vous convient? Une nuit avec moi, normalement, c'est 35 000. Disons 50 000, 60 000, ça dépend. Et puis s'il a les moyens. Mais pour quelqu'un qui parle de façon désintéressée, que c'est toi, mettons, soit qui est dans le besoin, tu peux juste aller sur la base 25-35. Si Julien ne témoigne pas à visage découvert, c'est que sa famille ne connaît pas son orientation sexuelle. Ce jeune se prostituerait pour vivre mieux et se payer tout ce dont il a besoin. Une quête du luxe qui pourrait mettre sa vie en danger. Avec le commerce du sexe, bon, étant jeune, on a pour habitude de faire des choses, de, comme on dit, faire des folies. Voilà, je peux arriver dans des hôtels de luxe, je peux dormir dans des coins où vraiment, normalement, je ne peux pas arriver parce que mes moyens ne me permettent pas. Voilà, je peux m'offrir un téléphone que je veux, je peux m'habiller comme je veux, avoir des chaussures que je veux. C'est juste du matériel, en fait. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer dans ce sens-là ou vous allez arrêter puisque vous êtes encore jeune? Et juste des trucs de jeune, voilà. Je le fais juste parce que j'aime beaucoup la vie, comme on le dit, voilà. Profiter de la vie. Mais tôt ou tard, ça finit par s'arrêter, voilà. Donc je pense que je vais arrêter aussi, pas faire autre chose, voilà. Mais pour le moment, vous êtes en forme? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui, j'ai pas de remords, j'ai pas de soucis avec ça. Ok, mais comment ça se passe? Comment vous arrivez à avoir les partenaires? Ça se passe à partir du net? Comment ça se passe? Vous travaillez en réseau? Comment ça va plus? Bon, de nos jours, comme tout le monde est avec la venue des réseaux sociaux, voilà, la communication est beaucoup plus fluide, plus facile pour tout un chacun de nous. Donc, étant branché, on a forcément des sites, des rencontres, on a des choses qu'on appelle des groupes, soit des groupes WhatsApp, soit des groupes Messenger et autres. Donc c'est par là qu'on fait des rencontres. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres ont permis au business de la prostitution de se développer. Une prostitution 2.0 qui facilite les rencontres et permet de multiplier les rendez-vous de manière discrète. Nous avons contacté plusieurs prostituées inscrites sur l'un des sites les plus populaires de la Côte d'Ivoire. L'échange est rapide, clair et précis. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je viens de prendre votre numéro sur le net. Oui, je suis à la Palmeraie. Bien sûr, André. Quels sont les services que vous offrez? C'est 20 000 francs, 2 coups avec bus. C'est 15 000 francs, 2 coups avec bus. Ça se passe où? On fait ça comment? Intéressant chez moi. À domicile, vous payez une chambre d'hôtel. On se croise. Et puis, c'est 15 000 francs. Mais là, c'est sur les lieux que vous payez. Maintenant, quand je dois me déplacer, aller peut-être André, Bobboué, Makori et autres, là, c'est 20 000 francs. Mais vous payez le transport en avance.
Les prostituées du net peuvent se déplacer ou recevoir à domicile. Nous souhaitons les rencontrer pour échanger avec elles. Mais lorsque nous nous présentons, la réponse est claire. Je suis journaliste. Voilà, je voulais échanger un peu avec vous pour connaître un peu pourquoi vous avez décidé de travailler dans ce milieu-là. Et est-ce que c'est possible qu'on se rencontre? Non, c'est pas la peine. Donc, si on t'a dit de venir faire. Toi, tu es journaliste, tu as dit pour faire un reportage, si c'est tout important. Toi, c'est plus pour que tu viennes faire un reportage. Il faut plus m'emmerder. Journaliste. Oui, oui. Journaliste de quoi? D'investigation. Pourquoi? Je suis en train de faire un reportage sur les travailleurs du CES. Après une trentaine d'appels, une accepte enfin de nous rencontrer. Je suis journaliste, je suis en train de faire un reportage sur les travailleurs du CES. Est-ce qu'on peut se voir? Le rendez-vous est pris. Direction Yopougon. Nous sommes chez Maya, 27 ans. Une habituée des sites de rencontres. Elle répond au téléphone tout en mangeant. Une disponibilité à toute heure. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Il fait un quoi, 7 000 avec une pipe? Deux coups, 10 000 avec deux pipes. D'accord? Ok. Tu dis quoi? 7 000. Le compte. Non, je ne me déplace pas, je reçois. Je reçois, je ne me déplace pas. Tout à l'heure. C'était un client. Il voulait. Oui, j'ai que. Comment ça se passe? Comment se fait-il qu'on vous appelle? C'est parce que mon manager, il est fort, il est efficace. Il fait tout, il fait mes annonces bien pour qu'on puisse m'appeler. Comment vous le rémunérez? Non, souvent, il prend 5 000, souvent, il prend 10 000. Le peu, moi, il a pris ma photo, il a fait mon annonce. Il y a eu 70 000. Et 14 à 1h du matin. Et souvent, c'est parti. Il m'a dit non, de payer site payant. Tu tapes le site, ma photo, tu vois premier. Vas-y, j'ai fait un site payant. Cette prostitution 2.0 nettoie les trottoirs d'Abidjan, assure une totale discrétion et permet de ne pas être arrêté pour racolage. Donc, mais pourquoi vous avez opté pour les réseaux sociaux? Donc, on s'en fait respecter parce que on te voit de la rue, tu reçois les gens chez toi, on s'en fait respecter. Et puis à cause des policiers aussi souvent. En tout cas, c'est pas bien d'aller dans la rue, c'est pas bon. Et qui vous a mis dedans? C'est moi-même, je me suis mis dedans. Moi, ça cause de maman, il fait tout ça là. Ma mère a mis, elle a fait 10 enfants, on est resté 7. Même grand frère, petit frère, petit soeur, il n'y a pas un qui s'en sort. Maya gagne en moyenne 50 000 francs CFA par jour. Mais comme toutes les filles, son rêve, arrêter de se prostituer. Comptez-vous arrêter un jour? Bien sûr. Ça ne saurait tarder. Même boulot où l'on va rester chaque fois, tu vas tout le temps écarter ta jambe en bas de n'importe qui. C'est pas intéressant. Retour à la clinique de confiance de Marcory. Voici Lucie, nigériane, ancienne prostituée devenue éducatrice. Ce jour, elle doit récupérer des cartons contenant des préservatifs, des autotests et autres. Bonjour, docteur. T'as dit que c'est comment? On a gardé les capotes. Oui. Combien? Deux cartons seulement. Ça peut arriver. Vous avez pris des cartons. On s'en va dépister. Ça va dépister les filles. C'est ça aujourd'hui. Je l'ai averti. Moi, je sais qu'elles sont là avant qu'on va arriver. Direction le ghetto de Zimbabwe dans la commune de Port-Boué. Afin de sensibiliser les filles provenant du Nigeria. Ce site a été créé depuis quand? Youssef Kiti, on a dû trouver ça là-bas. Hein? Ça fait longtemps. Et bon, la personne qui a prié, elle n'est plus là. Elle est rentrée depuis longtemps. C'est un Nigérien. On l'a trouvé là-bas. Ça fait 20 ans? Oui, ça fait. Parce que moi, je suis dans le pays là depuis 17 ans. Il a trouvé ça là-bas. Il y a toujours des filles. Tous les jours. Voilà. Tous les jours. Elles ont la matin sur ma tête. Dans ce ghetto, une trentaine de Nigérianes âgées entre 18 et 45 ans. Ici, c'est Zimbabwe.
Ghetto. Rose Garden. C'est Rose Garden, il y a mes filles qui sont beaucoup ici. Et si je suis venue les saluer aujourd'hui. Ça va vous? Ça va vous? Vous? How are they? Just let your mind reach grand. Then they show you. Okay. Now me, then they show. La sensibilisation peut commencer. Lucie explique aux filles l'utilisation et l'importance de l'autotest pour se dépister et dépister leurs partenaires. Non, non. So as I give you today, you go do your boyfriend. Oh. Do your customer. Do for your customer. Do for your customer. Oh. Do for your customer. Comment ça se passe? Ça passe bien, ça passe bien, ça passe bien. Aujourd'hui là, oui. On be new girl, c'est quoi un peu? On doit être seulement. C'est quoi? C'est une filière qui existe en Côte d'Ivoire, Nigeria. Il y a une filière qui existe comme ça. Moi, je peux dire, je ne connais pas comment ils rentrent. Et vous, moi-même, mon fils est venu depuis 10 ans l'année passée. Elle n'est pas partie par cause de Corona. Il n'y a pas de route. Moi, je ne connais pas comment ils rentrent. Les filles vivent, dorment et se prostituent sur ce lieu. De quoi nouer des liens et se serrer les coudes. Anciennes, nouvelles, toutes sont dans la même galère. Kim est arrivée il y a 3 mois, elle a 24 ans. Tu es arrivée en Côte d'Ivoire quand? 3 mois. Tu as quitté où? Nigeria. Pourquoi tu es venue en Côte d'Ivoire? Je suis venue en Côte d'Ivoire à cause de maman, papa. Je vais te travailler, donner maman, papa, je vais te manger. C'est à cause de ça que je suis venue ici. Avec mon petit soeur, elle est partie à l'école. C'est à cause de ça. Je vais te donner l'argent pour passer à l'école. Tu as commencé à faire ça au Nigeria ou bien c'est ici seulement que tu as commencé à faire ça? C'est ici seulement. Ici seulement. Mais pourquoi tu n'as pas fait le Nigeria? Il y a ça, je travaille pour le Nigeria, mais je ne l'aime pas. C'est mon country. Je ne travaille pas ça, ce n'est pas bon. Non. C'est à cause de ça. Comment tu as su que tu devais venir ici? Comment t'expliquer? Mais je suis venu ici avec moi avec mon ami là. Je suis venu ici. Elle est ici aussi. Ouais. Mon ami n'est pas ici là. Il est fait là comme ça. C'est moi qui suis venu ici. Un client là, c'est combien il donne comme l'argent? 2 000. Si demain tu as eu beaucoup d'argent, est-ce que tu vas arrêter ce métier là? Ouais, si y en a l'argent là, je vais te partir de Nigeria. Si je vais gagner beaucoup d'argent ici là, je vais te sortir de Nigeria là. Kim reçoit en moyenne 4 clients par jour. Les clients, des jeunes, des moins jeunes, qui, tout comme les filles, assument plus ou moins la pratique de cette sexualité tarifée. Alors quand on leur demande pourquoi ils sont là, la réponse est surprenante. Quand je viens, c'est pas forcément pour les frapper, hein, voilà. C'est pour forcément apprendre à parler l'anglais. Il y a d'autres filles que je connais. Voilà, que je parlais un peu l'anglais, je veux causer avec un peu avec eux. Bon, moi, je faisais ça avant, mais quand je n'avais pas de copine. Voilà. Et maintenant que j'ai une copine. Non, en fait, c'est aujourd'hui seulement que je suis venu, hein, mon frère. Comme lui m'a dit de lui le montrer, sincèrement, il a dit de lui le montrer ici. Voilà. Donc, nous sommes venus à la grande surprise, on vous a vu bon, nous taquiner, les trucs comme ça. C'est là qu'il causait avec les filles en anglais, ils étaient étonnés, moi aussi. Bon. C'est là qu'il dit, c'est comme ça, il va apprendre l'anglais, il va apprendre à parler anglais. Donc, il y a deux filles souvent, ils viennent ici et puis on parle anglais. Okay. Donc toi, j'étais juste venu pour l'anglais. Ouais, je suis... Bon, aujourd'hui seulement. Bon. Voilà. Difficile d'assumer ses relations tarifées avec ces femmes qui vivent dans la précarité, loin de leur pays, loin de leur famille. Tu as l'habitude de venir ici? C'est pas tous les jours. Mais pas tous les jours je viens ici. Mais souvent si je viens ici, c'est pour faire vous connaissez dans le mouvement. Les, voilà. Ah, c'est quand on fait nos garçons avec femmes. Voilà. C'est chez nous. Non, c'est pas chez nous. 1500, 2000, non, c'est pas cher. Ça dépend de comment vous comment on appelle ça. Vous tombez d'accord. Voilà. Fin de sensibilisation pour Lucie. L'heure est au bilan. Vous avez déjà fini? Vous avez inclus beaucoup de noms de la fille là. Et puis vous... 11 noms. Et puis, Vous avez disponible le capote, mais tout test. Okay. Dieu merci.
le bilan de la journée. Oui, c'est bon, c'est bon. En tout cas, on a vu 11 noms. Et puis on a bien distribué nos choses, nos étrangs. C'est bon. Il n'y a pas de personne malade? Non, 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 pour le moment, personne. Tout le monde est propre. Peut-être semaine prochaine, ils peuvent venir me trouver à la clinique. S'il y a un qui a dedans, maladie de dedans là-bas, il n'y a pas de problème. Les prostituées rêvent toutes d'un avenir meilleur, mais peu y arrivent. Voici Fatime, mère de 4 enfants. Elle se prostitue depuis 6 ans. Mais parallèlement, pour s'en sortir, elle tente de développer un business, une ferme d'élevage de lapins. Je me dis, un jour, je dois arrêter le monde des TS à cause de ça. Je me dis que c'est ça qui a fait que je vais arrêter. Je vais faire mon business. Je vais faire mon business. Maman est venue. Tu as commencé la peine depuis quand? Ça fait un an. J'ai commencé avec une case. Une case. J'ai fait une case. Ça m'a coûté près de 90 000. L'autre, ça m'a coûté près de 40, 50 000. Ça, c'est juste des cases en occasion. Je fais ce que je peux. Hein. En fait, c'est un peu. Déterminée à réussir coûte que coûte avec son nouveau business, Fatime se bat comme elle le peut pour mériter le respect des autres. Je veux qu'on me prenne au sérieux. Pourquoi? Tu connais, j'ai deux boulots. Deux boulots, je vais, je gère. Je dors dans une maison de 50 000. Je paye courant, je paye l'eau. Lui, je vais payer, je vais payer le petit. Déjà, mon salaire est fini. Mais je vais comment? Le aliment, ça coûte cher. Les médicaments coûtent cher. Je suis obligé de faire un peu. Je me dis, dans un an encore, je dois arrêter même tout ça là. Gérer mon boulot et puis je vais gérer ma ferme. Impossible pour elle d'arrêter de se prostituer pour le moment. Alors elle sera toujours disponible pour ses clients habituels. Allô? Oui, allô mon bébé. Oui, bonjour. Ça va, mon? Ouais, ça va. Il est dit. Attends, il prend combien? Comme tu sais que tu as grès dans ma maison. Tu grès bien, tu ne grès pas dans ma maison. Maintenant, si tu as 20 000 pour moi, là, ça fait 2 mois on ne m'a pas payé. Où. Tu sais que. Donc, tu as mes dons combien? 10 000. Donc, tu me fais dépôt d'abord et puis maintenant, on voit. Ok. Donc, c'est comme ça se passe habituellement. Fatime a une quarantaine d'années, 14 ans de mariage et 4 enfants. Mais un jour, tout a basculé. J'étais marié, j'étais dans le voile islamique. Le papa de mes enfants m'a vu étant secrétaire de direction. Il m'a marié. J'ai fait 14 ans de mariage. Il est grand de taille en forme. Mais quand il veut me battre, là, il me botte devant mes enfants. Quand mes enfants puis à cause, c'est tout. Mes enfants, ce sont des grands. À la violence. Je suis couché avec mon mari et puis ces femmes qui l'appellent. Je dis ça et puis je suis obligé d'accepter quand je parle. Une vie de couple avec un mari violent, l'enfer de son quotidien, l'ont fait fuir la maison. Conséquence, plus de revenus, plus de toit et qu'une seule solution à ses yeux, la prostitution. Quand j'ai quitté mon foyer, j'ai quitté en même temps YouTube et puis je vais m'installer ici où on ne me connaît pas, où on me voit. C'est ici que je suis. Sans te sortir un peu. La prostitution, le plus vieux métier du monde, une profession pour certains, une forme d'exploitation pour d'autres, naît souvent d'une détresse sociale. Car même si certains disent avoir choisi ce métier librement, se prostituer met en danger la vie de nombreuses femmes et d'hommes de ce milieu. Mesdames, Messieurs, nous nous trouvons ce soir à la clinique de confiance à Biétry et à mes côtés, le docteur Anoma Camille. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de nous recevoir à Espace Confiance pour ce numéro spécial consacré à la prostitution et le phénomène de la prostitution à Abidjan. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors, docteur, quelle définition faites-vous de la prostitution qui, je le rappelle, n'est pas un délit en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que ce qui est admis dans ce que nous faisons, nous, on parle plutôt de travailleurs, de travailleuses du sexe. Oui. Et donc, pour nous, de façon basique, oui, est considéré comme un travailleur ou une travailleuse du sexe des personnes qui offrent des tarifs, des rapports sexuels, moyennant argent ou moyennant bien matériel.
Alors, concrètement, combien y a-t-il de travailleurs et de travailleuses du sexe à Abidjan? Les derniers éléments que nous avons en termes de dénombrement des travailleuses du sexe en Côte à Abidjan, c'est entre 9400 et à peu près 10 000. Oui. Donc, c'est des études successives qui sont faites. Et la dernière qui s'est faite, c'était en 2014. Alors, ça fait quand même aujourd'hui presque 7 ans. Oui, ça fait un peu plus de 7 ans. Donc, on peut estimer qu'il y a de fortes chances qu'avec la croissance de la population, que oui, ce nombre-là soit revu à la hausse. Mais pour l'instant, on n'a pas encore des études beaucoup plus récentes que celles que je viens de mentionner. Quelle est la tranche d'âge de ces... On va les appeler des professionnels du sexe. Alors, la tranche d'âge varie de 18 ans jusqu'à à peu près 60 ans. Alors, est-ce qu'il y a un profil du prostitué ou de la prostituée, puisqu'on a parlé de travailleurs et de travailleuses du sexe? En ce qui concerne, en tout cas, Abidjan, oui, majoritairement, c'est quand même des Ivoiriennes qui se prostituent, oui, même si on retrouve aussi une forte proportion de femmes qui viennent du Nigeria. En dehors de ça, elles sont relativement jeunes. Oui. Il y a aussi une bonne proportion qui, finalement, ne sont pas très scolarisées. Ça aussi, c'est la réalité des faits. Après, il faut dire aussi que les études ont des limites. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de rencontres se font sur Internet, etc. Il y a aussi toutes celles qui sont des étudiantes, qui sont des élèves dans des universités, etc., qui aussi ont cette pratique aussi pour finalement aussi faire face à leurs besoins. Alors si on vous entend et on vous comprend, on va parler de problèmes économiques, de pauvreté, de réalités sociales qui pousseraient ces femmes et ces hommes, hein, à la prostitution? Dire que c'est la pauvreté, je ne dirais pas forcément, parce que vous savez très bien qu'il y a quand même de la prostitution de luxe. Elle est clandestine. Elle est clandestine, mais elle existe. Donc oui, je ne pense pas que la seule motivation soit nécessairement en lien avec la pauvreté. Je pense que la pauvreté joue, oui, bien évidemment, c'est sûr, c'est des moins de ressources, mais aussi d'autres facteurs jouent, comme aussi l'éducation qui est donnée peut-être aussi aux femmes en disant finalement c'est un homme qui va s'occuper de vous, et donc on trouve plus ou moins normal qu'un jour ou un autre on vous offre des ressources financières pour avoir des avantages sexuels. Donc il y a aussi plus ou moins le regard aussi de l'éducation, etc. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que finalement, aussi, la pauvreté peut être aussi un facteur, mais d'autres facteurs aussi conduisent aussi bon nombre de nos concitoyens, concitoyennes à faire cette activité. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots, hein. La prostitution est un business qui est rentable. Il y a les souteneurs, les proxénètes, etc. Et certains estiment, hein, que cela prospère ou perdure parce que ces souteneurs, ces proxénètes ont des amis haut placés. Alors, est-ce que c'est de la fiction, la réalité, de la rumeur? C'est un phénomène qui existe, mais je peux dire que sur ce que nous observons, c'est quand même marginal. La plupart des celles qu'on rencontre sont quand même indépendantes, comme on peut le dire. Mais je reconnais qu'il y a aussi une forme de traite, en ce qui concerne un certain nombre de jeunes filles, notamment, qui viennent de la sous-région, auxquelles on fait miroiter un certain nombre de choses et qui finalement sont obligées de mener cette activité. Justement, parlons-en, hein, ces filles qui viennent de la sous-région. Comment, vous qui savez par exemple qu'il y a une forme de traite de ces femmes, qu'est-ce que vous faites ou pouvez faire? Alors, en général, l'attitude que nous avons est une attitude de donner des informations à ces jeunes filles quand on les rencontre, parce que dans nos différents pays, il y a des ambassades, oui, des représentations de ces pays, oui, et il leur est demandé de s'adresser à ces ambassades pour mener l'action qu'il faut pour éventuellement être libéré en griffe de ces situations-là. Après, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi c'est quelque chose de très difficile? Parce, oui, que nous nous adressons aussi à des femmes qui sont en situation de prostitution. Donc, c'est un peu gris parce qu'on ne veut pas non plus mettre en danger plus ou moins notre activité, parce qu'on serait dans un positionnement où finalement une jeune fille vient au niveau du centre, elle n'est plus revue. Vous avez peur qu'on vous agresse? On a peur qu'on nous agresse, on a peur qu'il y ait une fausse publicité sur ce qui est en train d'être fait. Oui. Parce que finalement, ce qu'on veut aussi, c'est quand même avoir accès à ces personnes. Et je pense aussi que c'est
aux autorités de ces pays, à nos autorités aussi, de faire face à ces situations. Il y a quand même la police des mœurs. Les gens savent où est-ce que les filles sont dans les maisons closes. Donc, à tout moment, ils sont capables d'aller faire des enquêtes et de voir ce qu'il y a lieu de faire aussi pour sortir ces femmes de ces situations. Mais je sais qu'on a déjà vu des exemples qui étaient des exemples avec de bons succès, avec des réseaux qui ont été démantelés. Quels sont vos rapports avec la police ou la brigade des mœurs? Ce sont nos alliés, parce qu'on peut être dans des situations où des bénéficiaires, notamment qui sont des personnes vivant avec les VIH, se retrouvent incarcérés ou prises parce qu'il y a eu des rafles, etc. Et voilà, on va commencer à faire les négociations pour finalement tenter d'obtenir la libération de ces personnes. Donc on a quand même de très bons rapports avec la police des mœurs. Alors vous parlez d'un point précis, hein, des rafles. Alors on a vu dans le reportage tout à l'heure des femmes qui affirment que certains policiers leur auraient demandé entre 15 000 et 50 000 francs pour leur libération parce qu'elles ont été raflées. Alors, est-ce avéré? Alors, moi, je ne peux pas dire si c'est oui ou non avéré, mais on a entendu exactement la même chose aussi, ce que vous venez de relater. Comme aussi, on a entendu aussi qu'il y a des hommes en uniforme qui vont dans les maisons closes, qui cassent les portes et qui vont dépouiller les dames, qui prennent tout ce qu'ils ont comme ressources, qui prennent les téléphones portables, etc. Ça, c'est ce que nous avons comme information, c'est du déclaratif. Nous ne sommes pas en capacité de faire des recoupements nécessaires et des enquêtes pour dire finalement c'est avéré ou pas. Mais c'est sûr qu'on a tout un volet qui est un volet plaidoyer vis-à-vis des forces de l'ordre pour faire comprendre que finalement, la répression, elle est contre-productive parce que nous voulons avoir accès à ces personnes parce qu'elles mènent une activité qui les expose aux IST, qui les expose au VIH. Oui. Elles ont besoin de prévention, elles ont besoin de soins et que finalement, trop de répression ferait que finalement, on n'aurait pas accès à ces personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à ces personnes que l'activité ne continue pas. Elle sera beaucoup plus clandestine. Et finalement, ce qu'on veut éviter en termes de problèmes de santé publique, ça ne fera qu'amplifier. Alors, docteur, est-ce que vous avez des chiffres concernant le VIH-SIDA? Alors, oui. En ce qui concerne le VIH-SIDA, dans la population des travailleurs du sexe, on parle de 11%. 11%, ça veut simplement dire que si vous prenez 100 travailleurs du sexe, il y en a 11 qui sont personnes vivant avec le VIH. Si vous prenez les hommes qui offrent des services, mais principalement, là, je parle essentiellement des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, on va beaucoup plus haut, on est autour de 20%, c'est-à-dire que sur 100 personnes, vous en avez 20 qui sont personnes vivant avec le VIH. Docteur Anoma, qu'en est-il des mineurs? Parce que la prostitution des mineurs, elle existe. Et également, elle est peut-être taboue, mais elle existe. Comment vous la gérez? La politique de l'association, c'est d'offrir des services comme on offre des services aux adultes, à ces personnes-là. Est-ce que vous recherchez leurs parents? Alors, c'est toujours quelque chose de pas facile. Je peux raconter qu'on a, on a réussi certaines fois à retrouver des parents. Oui. Et on s'est rendu compte rapidement que les parents étaient complètement informés de la situation de ces mineurs. Et laisser faire, parce que quelque part, mais parce que aussi finalement, ces enfants mineurs ramenaient des ressources à la maison. Peut-on dire, et sans langue de bois, que ce que font ces parents, c'est du proxénétisme de parents? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi aussi, c'est du proxénétisme des parents. Et ça, c'est condamnable par la loi? Tout à fait. Mais pourquoi personne ne réagit? Mais personne ne réagit parce que finalement, il y a une loi de l'omerta. Je veux dire que les voisins savent ce qui se passe, l'environnement sait ce qui se passe, mais finalement, on laisse faire. Je pense qu'on a beaucoup changé maintenant dans nos pays. Avant, c'était que l'éducation appartenait à tous les quartiers. Oui. Et aujourd'hui, c'est plus la même chose, c'est chacun pour soi, plus ou moins, et c'est vraiment regrettable. Alors, ces enfants, on leur vole leur jeunesse, leur enfance, ils ne grandissent pas, on est censé s'appuyer sur eux pour l'avenir, et leur avenir est dans la rue, c'est un avenir incertain. Tout à fait, c'est un avenir incertain, c'est malheureux à dire, mais je pense aussi que ces situations devraient interpeller tout le monde, parce que c'est quand même des situations qui ne sont pas tolérables, en tout cas pour nous. Alors, est-ce que quelque part, hein, parce qu'il faut sortir un peu du déni, hein, la prostitution, elle existe en Côte d'Ivoire, est-ce que ce ne serait pas un mal nécessaire pour certaines situations ou dans certaines situations? Alors, je ne sais pas si on regarderait ça comme étant un mal ou un bien, mais je pense, moi, que c'est un phénomène social qui répond à des situations données. Il faut aussi que la société apprenne à regarder ce phénomène différemment,
parce que ce n'est pas avec la répression ou avec des leçons de morale que finalement on va résoudre ça. La Côte d'Ivoire est confrontée à ça, on n'est pas le seul pays au monde. Il y a des pays qui sont allés jusqu'à pénaliser les clients, ça n'a rien résolu, ils ont pris des avions, ils sont allés ailleurs. Et donc finalement, je pense qu'il faut faire un traitement qui est un traitement différent. Et moi, je suis partisan, en tout cas au niveau de notre association et au niveau de la partie nationale, de dire que finalement, il faut regarder ce phénomène comme étant un phénomène. C'est pris en compte dans nos différents plans stratégiques en ce qui concerne la lutte contre le VIH et les IST. Oui. Il faut aller davantage et voir comment, finalement, à partir d'un certain nombre de mesures, qui sont des mesures de protection, on peut avoir un meilleur accès à ces personnes et notamment pourquoi ne pas penser à rendre disponibles des préservatifs gratuitement pour ces personnes-là et faire en sorte que, finalement, par rapport au VIH, etc., nous ayons des résultats qui soient meilleurs. Docteur, comment on se sent après une journée passée à sensibiliser, à accompagner, à écouter les personnes qui ont été agressées, les pleurs, etc. Comment on se sent après une telle journée? On pourrait dire, on peut être découragé, mais non, au contraire. Oui. Ce n'est pas le découragement, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que jamais rien n'est fini et que tous les jours, il y a des défis à relever. Mais je pense aussi qu'on peut être plus ou moins fier de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. On a été précurseur pour ce type d'activité au niveau national, au niveau même sous-régional. Beaucoup de pays sont venus s'inspirer de ce qui se fait ici au niveau d'Espace Confiance. On a aussi influencé tout ce qui est stratégie nationale en ce qui concerne ces populations. Donc non, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de défis à relever. Mais justement, c'est tout ça justement qui motive notre engagement. C'est une question pour laquelle j'espère que, et nous espérons que nous aurons une réponse. Parce que ces enfants méritent de vivre une vie paisible et de faire des études. Merci docteur Anoma d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur Espace Confiance. Oui. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc au terme de ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre, consacré au phénomène de la prostitution à Abidjan. Mesdames, Messieurs, la prostitution est un milieu fermé, souvent dangereux et pourtant, chaque jour, des femmes et des hommes plongent dans la prostitution pour diverses raisons. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci et la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes et surtout, n'oubliez pas, respectez les gestes barrières car le coronavirus circule activement dans notre pays. Bonsoir à tous.